Livre de l'Exode, chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse Vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte de le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne mit ses hommes ornements. L'Éternel dit à Moïse Dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes, et je verrai ce que je te ferai. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et l'adressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appelait Tente de la Rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la Tente de la Rencontre, à l'extérieur du quai. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente Il le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde. Cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple? De tous les peuples qui sont à la surface de la terre. L'Éternel dit à Moïse Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse dit Fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit. Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras perdre derrière, mais mon visage ne pourra être vu.